If you're releasing an album and you're outside of France, it's good to be in Paris. That's where everything happens. They started to construct the La Place, which is the first hip-hop center in France, which will be open in 2016. Since the 80s, it's a big part of hip-hop. Il ouvre dans les Halles, donc les Halles c'est un centre à la fois où il y a beaucoup de commerces. Quand la ville de Paris a pensé refaire des travaux dans les Halles pour rafraîchir un petit peu le visuellement et en termes de circulation et pour des raisons de sécurité aussi, parce que les Halles ça rassemble quand même 750 000 personnes qui passent dans les différentes lignes de métro. Donc il fallait réaménager un peu ça en termes de sécurité pour accueillir ces gens-là et remettre ça au goût du jour un petit peu. Ils ont voulu rajouter des équipements culturels pour équilibrer un peu le côté commercial connu des Halles avec des équipements culturels encore plus visibles. D'où la construction de la canopée qui va accueillir 4 équipements culturels. Parce qu'il n'y aura pas que la place, la place c'est une partie de la canopée. Il y aura un conservatoire qui est sur une partie de la canopée, il y aura une bibliothèque, un centre dédié à la pratique amateur et donc la place. Et c'est le tout qui forme la canopée. Et les structures qui travaillent autour du hip-hop, la petite association dans les quartiers populaires de Paris, aux périphériques, jusqu'aux grands artistes, et d'écrire une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle étape de l'histoire du hip-hop parisien, du hip-hop français et du hip-hop en général. Parisian urban space is kind of a brand that some artists can use and reproduce, and so it's gonna be more easy for artists coming from Paris to succeed in rap music than artists coming from the other areas of France. One big center for the music industry in France, and it is where are located all the labels, radios, national medias, etc. If you want to get known, go to the radio show. You have to come to Paris. You have to be in Paris. Le rap français a toujours été en bonne place au niveau mondial parce que déjà à l'époque on considérait que le rap français était carrément en second du rap américain, quoi. C'est ce qui suivait le rap américain. Bon, il y a les Allemands qui étaient super forts, tout ça. Mais en général, les Français étaient le plus proche de ce que pouvaient faire les Américains. Donc les Français ont toujours été un peu à la pointe du rap, après des Américains, qui sont des précurseurs dans la musique hip-hop, enfin dans le rap. Donc voilà, donc non, la place qu'on a, ouais, on est toujours en bonne place, quoi. C'est clair que Paris étant la capitale, donc forcément c'est là où tout se cristallise, quoi. On a grandi avec tout ça, les premiers trucs au début du hip-hop, tout ça, ça se passait sur Paris, à la Chapelle, avec le break et tout ça. Donc prenez tout ça de Paris et ensuite ça se disséminait dans les banlieues. Donc ça a toujours été Paris au départ et après en banlieue, quoi. Moi je pense que l'avenir du hip-hop français, c'est l'avenir du hip-hop américain.